écoutez Koé, c'est bien. C'est bien. Le voir, c'est mieux. Je vais te faire écouter des titres. Des vieilles chansons. À toi de trouver le nom des remixes d'aujourd'hui. C'est ça l'idée? Ouais, c'est ça, ouais. Et par exemple, on va aller de plus en plus jusqu'à plus en plus vieux. Celle-là, on en a beaucoup parlé cette semaine. Ça, c'est Marvin Gaye. Ah, ok, Birded Lines. Ouais. 7 millions d'euros, ça aura coûté cette histoire. Ah ouais, j'imagine. Ah bon ouais. 7 millions là, ouais, on en a parlé, déjà fallait écouter aussi, c'était il y a deux jours. Pas là. Mais... J'étais pas là. C'est vrai que c'est très ressemblant. Hey. C'est dingue. Hein. Ouais, non, c'est fort. Ouais. Mais les deux là. Ils sont pas au même tempo. Ouais. Attention. On dirait Mano. Ça c'est Red Hot Chili Peppers. Ouais, Avicii. C'est ça, non? Avicii. Non, ça c'est l'original. Oui, ça c'est l'original. Ah, c'est l'original. Et maintenant il y a un remix qui a... Maintenant c'est celui-là. Ah, ah ouais, C'est dingue. Ça a donné ça. Et il y a des versions qui ont été aussi refaites. Je comprends pas, moi. Il y a plus longtemps, il y a des vieilles chansons. Ça c'est Louis XIV qui avait sorti ce morceau-là. Ouais. C'est Paradise, Coldplay. Bien joué. Good. Ils ont pompé Louis XIV, quoi. Ouais. T'es con. Attention, on repart sur une vieille chanson. Ça, c'est Beethoven. Ouais. Grenade de Bruno Mars. Oh la vache. J'ai faim. Mais c'était qui l'original? C'est Beethoven. Mais c'est bien de me marquer l'original plutôt que de me mettre Bruno Mars. Mais regarde sur ta feuille. Mais c'est pas écrit là-dessus. C'est écrit sur ta feuille. C'est énorme, Beethoven. C'est ouf, hein. Puis vas-y que Beethoven il aille se plaindre maintenant. Ouais. En plus il sonne fort. Ouais, c'est violent. Oh là là. Attention. Vivaldi celle-là. Ouais, Vivaldi. Ah oui, non. Si, si. Je connais pas. Ah oui. Ou pas quand même ça. Horrible. C'est ouf ça, non? C'est une connerie. Ah oui, c'est que des conneries. Oh mais arrête, c'est que des conneries. Bah oui. Moi je suis croyant. Alors c'est pourri les mecs de faire des vannes comme ça. C'est du second degré. Bah, regarde la suite. Mais depuis quand on fait du second degré? C'est naze. Moi j'y croyais vraiment. Mais faites pas ça. C'est pourri. Oh, pareil. Oh mais non, mais alors maintenant vous faites des jeux pourris. C'est naze. C'est de faire découvrir un truc à partir d'un vieux. Non, à part Marvin Gaye, le reste c'est des conneries. Mais c'est des versions vieilles. Ouais. Mais c'est naze les gars, le jeu, l'intérêt quoi, c'est de faire écouter des vieux trucs qui ont été réactualisés, pas d'inventer. Mais t'inventes pas des vieux trucs, c'est pourri. Non, ceci dit, ils sont bien foutus, ceci dit. Excuse-nous de tomber dans une émission avec des gens qui font que de la merde. Pardon, je suis désolé, d'habitude ils sont bons, mais là que de la merde. Mais fais courir la rumeur que c'est eux. Mais voilà. Mais non, mais c'est pourri. Mais ça revient même, on s'en fout. Mais non, c'était bluffant quand tu l'inventes. Mais on l'a fait 1000 fois le reste, à chaque fois les samples, machin. On l'a fait 1000 fois. J'y ai cru, on va retomber sur les dames. À partir du moment où tu dis que c'est une déception, c'est le pire truc du. C'est faux, c'est le pire truc. Ce qui est marrant, c'est que c'est cover à l'ancienne. Le mec qui joue au clavecin. Ça n'a même plus l'intérêt d'écouter la suite. Mais bon, si, ils sont bien foutus, ah non, maintenant que tu sais que c'est des faux, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'il y en a un vrai dedans. Ah non, mais le dernier. On bat les couilles. Allez, est-ce qu'on se faisait le titre ensemble? Le but du jeu, c'est de trouver des vrais vieux. Si vous les inventez, ça n'a pas de sens. Non, ça m'intéresse plus. Bon, allez, si on se faisait le titre en live pour tout le monde. Donc, on est d'accord que tu vas le mettre, le morceau, donc tu chantes pas, toi, en fait. Non, ah c'est bien, tu vas être à la cool, c'est 3 minutes 30 de Beethoven ou Ah non mais c'est pourri. Arrêtez. Ah c'est quoi, comment t'es premier degré? Je suis pas premier degré. Je pensais tellement que c'était des vieilles chansons qui étaient derrière. Mais ça n'existe pas, sorti des dates. Il y en a 3 qui à chaque fois c'est tout le temps les mêmes, quoi. Mais excusez-moi, ça aurait pu être extrêmement crédible. Mais grave. Beethoven, qu'est-ce que ça avait de pas crédible? Vous êtes con ou quoi? C'est vous qui êtes con. Il y a Gainsbourg qui a pris du Chopin. Il y avait tout à fait la possibilité. Ça aurait été connu, Lélie. Mais non, au contraire. Tais-toi. Mais non, ça m'énerve. Les gars, vous êtes d'accord? C'est le gag de merde. C'est le plus gros gag de merde qu'on m'avait fait. Vous m'avez fait de la radio invivable. Vous m'avez fait du truc pas sondé.